Alors bonsoir à tous, Animax, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour vous dire, je viens de lancer le jeu, d'accord, hein, qui s'appelle Sakura no Gaku. Et je suis pas très serein pour vous dire. Pas trop, non. Vous êtes serein vous? Non, vous êtes pas serein. Moi je suis serein, pas vous. Vous êtes serein, pas moi. Ouais. Du coup, découvrons Sakura no Gaku maintenant. Alors nous sommes dans une petite école japonaise, hein, comme vu le nom du jeu. Alors ça, juste ça, c'est le son typique de toutes les cloches dans tous les animés où il y a une école en fait, tout simplement. Et ok, on a l'air d'être la fille un peu seule. Bah, c'est exactement ça, d'accord. Oula. On est un peu fatigué là, je sais pas. On a l'air de... C'est exactement ça, ok, on s'endort, y'a pas de soucis. Mais ça va pas durer, loading, ok. Ah. Ok, c'est plutôt mignon, je trouve, comme jeu, hein, vous trouvez pas? Oh, frère, ouais, c'est plutôt mignon. C'est Je crois que je vais pas fumer de faire cette vidéo. Hein. Non, mais je vais vous dire un truc clairement, hein, je suis pas du tout à l'aise avec les jeux d'horreur, mais vraiment pas du tout. Dès qu'il y a une ambiance glauque, quoi que ce soit. Oh, on entend tellement bien les bruits de pas, mon dieu. Mais en plus, mais regarde là, on voit pas ses yeux, on voit juste sa mèche là. Ça a beau être mon perso, j'ai pas du tout confiance en fait. Je vais manger ton âme. Ok, alors nous sommes dans le couloir. Qu'est-ce que nous avons dans le couloir? Est-ce qu'on va retrouver des gens sympas? Ok, non, bah ici c'est fermé, d'accord, y a pas de souci. Alors on va parler, hein, parce que sinon on va se faire un peu chier, on va pas se mentir. J'ai toujours kiffé les architectures des écoles japonaises. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. J'essaie de parler parce que ça enlève mon stress en fait. Est-ce qu'on peut sauter? On peut sauter, d'accord. Alors on va faire un petit saut comme ça, voilà. On aime. Est-ce qu'on peut rentrer dans les autres classes? Ok, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on peut se baisser? Ah, mais on peut se baisser, voilà. Du coup, on passe en dessous de ça. Je suis pas serein du tout. Ok, on est passé. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Oulala, oulala, mais qui c'est là-bas? Mais qui est cette petite fille? Enfin, si c'est une fille d'ailleurs, parce que je vois, on va pas se mentir, il fait un peu sombre. Et alors, allons la voir. Si c'est des traces de sang, ça, ou c'est... Non, mais non, c'est du ketchup. Bah non, mais c'est une blague en fait. Ah, mais en fait, c'est... Ah, mais non, mais c'est tous mes amis. Ils veulent juste me faire peur, me faire un peu flipper avec du ketchup par terre et une petite, ouais, inspecter. C'est une vraie personne, ça, ou c'est... C'est un mannequin. C'est un mannequin, ça. J'espère. Ok, et je fais comment pour inspecter? Ok, y'a pas de soucis. Tout va bien, en fait. Tout va pas bien. Je rêve où y'a plus de sang. Oh, les tables. Vous êtes... Quoi? Attends. Et je peux réinspecter, là? En fait, y avait le couteau avant ou pas? Et y'a pas le couteau, on est d'accord. Du coup, maintenant, faut que je me barre. Ah, je suis pas serein. Ah, non, mais je vous le dis, je suis pas serein. Oh, on parlait de quoi? On parlait de l'architecture de l'école. Du coup, moi, j'aime bien l'architecture de l'école. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les écoles japonaises, tout ça. Je suis pas du tout en train de stresser parce que je suis pas habitué aux jeux d'horreur. C'est pas vrai, d'accord? Du coup, je disais que, voilà, on va marcher très vite. Voilà. Ça marche. On en parle de sa façon de courir ou pas? Tous les prochains jeux, que ce soit sur PS4, toutes les nouvelles générations, vous devrez faire un truc comme ça. Franchement, c'est beaucoup trop beau. Ok, on doit descendre. J'aime pas quand il faut descendre, hein, même si. Oula, la lumière. Oh non! Est-ce que... Vous avez pas entendu ce petit... Pourquoi mettre des rires d'enfant dans les jeux comme ça? C'est pas vrai! C'est vraiment horrible! Dès que t'entends un rire d'enfant, c'est qu'il y a un truc qui va mal, hein, je te le dis direct. Hein. Gauche ou droite? Et je peux pas avoir de la lumière aussi, je vois rien du tout là. Sérieux, c'est un peu... Je vais dans le néant là. Je sais pas où je vais. Ça se trouve, elle est à la droite, là je vais à gauche! Y'a un truc qui a bougé. Juste... Je vais à gauche, ok. J'y vais en courant. Je sais pas ce qu'il y a. Hein. Ah, la porte s'est ouverte. Je peux rentrer dedans. Là, la lumière s'allume, d'accord. Et il n'y a absolument rien. Ok. Ça me rassure pas vraiment, hein. Non, je sais pas. On va continuer à aller à gauche, même si j'ai pas du tout envie d'y aller. On va pas se mentir, c'est ouvert encore. Bah, et alors, on y va. Il y a tout qui est saccagé, bah, bien sûr. Alors... Ah, arrêtez de faire. Pourquoi je joue à ce jeu, moi, en fait? Je suis pas bien. Mais en plus, c'est la même que moi. Mais c'est exactement le même skin que moi en plus. Genre, on a l'impression que c'est comme ça que je vais mourir en fait, c'est clairement ça. Oh là là. Bon, j'ai l'impression que la plupart des. Là, quand ça me fait sursauter, c'est quand ça fait des petits glitches bizarres là. Ok, je peux sortir par là, ok. Moi, je suis en train de flipper pour rien du tout, sérieux. Bon, du coup, c'était bien à gauche, fallait que j'aille. Ok, je peux pas passer par là. Est-ce que je peux rentrer dans cette salle? Hein, ça m'emmène dehors. Enfin, là, pour t'as compris. Oh, arrêtez de faire ça! Mais c'est pas vrai! Ça va faire le. Stop! Oh, je te jure, je vais rusher le jeu en fait. Parce qu'en fait, quand tu rushes le jeu et que tu parles beaucoup, bah du coup, ça passe vite. Tout se passe comme si. Voilà. Du coup, on va rusher, on va y aller. Allez, on court. Ça a grincé là. Pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, j'étais pas prêt. Hein. J'étais clairement pas prêt. Du coup, on va encore avancer, on va se baisser. On va y aller là?
Ah si voilà, je peux y aller. Oh, Pourquoi ça a grogné? Y'avait un chien ou quoi? Moi j'y retourne, j'ai pas peur des chiens moi, y'a quoi? Enfin si c'était un chien, dis-moi que c'était un chien parce que... Moi parce... Oh non! Ah d'accord. C'était pas un chien d'ailleurs. Mais en fait y'avait un monsieur, un petit monsieur qui avait l'air plutôt sympathique, hein, on va pas se mentir. Qui nous a vu en fait, il nous a vu et ça nous a téléporté là du coup. Je comprends pas. Ah je pense qu'il faut... Puisque je peux me mettre accroupi. Voilà, je peux me mettre accroupi du coup, je pense que... Quand je me mets accroupi il me voit pas. Du coup je vais avancer comme ça. Voilà vraiment... Voilà. Ah il est là-bas. Vous le voyez? Avec son petit masque blanc là. D'ailleurs, oh, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas très Charlie, je vous le dis direct. Hein. Ouais, fais pas trop le malin, moi aussi je sais faire. Non, le mec il grogne comme ça là. Je pense. Je pouvais pas rentrer? Non, je peux pas rentrer. Du coup, je peux passer. Je vais rester accroupi. Ah, je peux rentrer dans cette salle. Ok, je rentre. Oh, mais. Mais des toilettes! Mais. Pourquoi? La porte qui grince, qui bouge toute seule. Mais moi j'y vais! Ah oh, putain, j'ai entendu des bruits de pas, c'était les miens, bordel! Oh, ok. Là y'a rien. Comme je vous dis, le truc à faire dans ces jeux, c'est rusher. T'avances, tu vois, y'a rien, t'avances, tu vois là, ça, y'a rien ici non plus, allez, c'est pas grave. En fait, faut sortir des toilettes, en fait, tout simplement. Et j'entends des trucs dans ma voix, dans ma voix, dans mon casque, en fait. En fait, c'est des petites voix. Et du coup, je suis en train de parler pour pas les entendre, en fait. Arrêtez de chuchoter dans mes. Salut! Non, mais tu sais, on peut être amis, hein. Je pense que. Moi, je m'appelle Brigitte, si tu veux savoir, voilà. Arthur, bah voilà, on peut être copains, je pense. Genre, t'es pas obligé de. Je sais pas ce que t'es en train de. Ah, putain, non. Pourquoi tu me mets cette vue alors qu'il est juste à ma droite, en fait? Tu m'expliques! À 3, on va lui foncer dessus, d'accord? Moi, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de lui, d'accord? 3, 2, 1. Yata! On court à la Naruto, y'a quoi? On lui fonce dessus! Allez, go, vas-y, y'a quoi? Ah non mais en fait c'est une fille qui... Elle veut une fleur. Je peux pas lui parler. Et je peux pas aller là-bas. What? Ok attendez. Je pense qu'il y a un truc dans la classe où... Enfin la classe c'est des toilettes tu me diras mais... Mais du coup attends, y'a quelque chose là-dedans là? Ah mais c'est la classe, je suis pas allé dans la classe, ok. Y'a quelque chose dans la classe qu'il faut que je lui donne, c'est ça? Je sais pas. Elle avait l'air d'avoir... Y'avait une fleur en haut à droite de... Bah d'elle en fait. Ah, open. Ah, pick up, ok, d'accord, c'était ça, c'était bien ça, du coup on va lui apporter, hein. Alors je vais t'apporter ta petite fleur, c'est ça que tu voulais? Voilà, thank you. D'accord, merci, est-ce que tu vas... Ok, du coup maintenant je peux avancer, du coup c'est point positif, du coup, mais maintenant je sais pas en fait, je peux pas rentrer là, d'accord. Non, cours, mais... T'appelles ça courir, toi? J'ai pas des attaques, du feu, genre, j'en sais rien. Bon, moi je sais que maintenant on va se faire courser par l'autre abruti. Ok, on court. Allez, on y va. Je sais que tu peux le faire, Brigitte. Je sais que t'en as dans le pantalon. Vas-y, moi je m'en fous de ton chip-chip. Là, on dirait un holodan bleach dégueulasse là. C'est mon pouce là, genre. Oh! Il s'est passé quoi? Une pomme? C'était un rêve! M'éplucher une pomme. Ok, ça doit être mon père ou... Oula! Il se passe quoi là? Attends. What? Là va vraiment, mais vraiment me falloir m'expliquer ce qui s'est passé là. Hein. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu ce petit jeu sur cette école japonaise assez bizarre. On va pas se mentir, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé en fait. Hein. Si quelqu'un sait pourquoi ça s'est passé comme ça à la fin, je veux bien savoir. Que là je suis un petit peu perdu là. N'hésite hein. Pas à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos bien sûr. Regardez l'une de mes dernières vidéos qui s'affiche juste là, si vous ne les avez pas encore vues. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tchou!